Montos, officiellement appelé le multicanon de 106 mm autopropulsé M50, était un blindé léger américain, un anti-char développé dans les années 1950. Doté de 6 canons sans recul de 106 mm à chargement manuel comme armement principal, qui pouvaient être tirés successivement et rapidement contre les cibles uniques pour augmenter la probabilité de destruction. Bien que le calibre réel des canons principaux soit 205 mm, il a été désigné 106 mm pour éviter toute confusion avec les munitions du canon sans recul M27 205 mm. Il a été produit en nombre limité pour les Marines US. Ensuite, l'armée a annulé le projet. Les Marines ont constamment rapporté d'excellents résultats quand ils ont utilisé les Hontos pour le soutien de tirs directs contre l'infanterie dans de nombreuses batailles et opérations au cours de la guerre du Vietnam. Les stocks américains d'Hontos a été largement utilisé vers la fin du conflit et l'Hontos a été retiré du service en 1969. Le projet du départ a été créé pour être un chasseur de chars aéroportable pour être capable d'être emporté par l'avion cargo des années 1950. Cela a limité le véhicule à un poids compris entre 10 et 20 tonnes. Ils ont également dû utiliser le moteur à 6 cylindres, alors largement utilisé dans les camions GMC de l'armée. Après plusieurs réunions de conception et d'ingénierie, de mars à octobre 1951, un fabricant a remporté un premier contrat pour produire 14 véhicules pilotes comprenant 6 variantes. Le premier véhicule achevé en 1952 était basé sur le train de roulement M56 Scorpion, un anti-char léger. La tourelle du véhicule est conçue en acier moulé avec deux bras tenant 3 canons chacun. Ce premier modèle ne pouvait tourner la tourelle que d'environ 15 degrés. Un deuxième prototype utilisait un nouveau système de suspension, de nouvelles chenilles et une tourelle plus récente avec un rayon d'environ 40 degrés. Le véhicule ne pouvait transporter que 18 cartouches pour les canons principaux à l'intérieur du véhicule en raison de l'espace limité. Son armement le plus important était 6 canons sans recul M40. 4 des canons avaient également des fusils de repérage de 12,7 mm dégageant un éclair et une fumée blanche à l'impact. Les fusils de repérage ont été alignés avec les canons sans recul de 105 mm sur la cible. Les Hontos portaient également une seule mitrailleuse de 7,62 mm. Lors des essais de tir des 6 armes à la fois, le souffle arrière du tir a impacté des briques du bâtiment voisin et a cassé les vitres arrière de plusieurs véhicules. L'étape du prototype et des essais a été achevée en 1955, date à laquelle l'armée a annulé sa commande. En tant que véhicule anti-char, l'Hontos a eu plusieurs problèmes, notamment une petite charge de munitions, un profil très élevé pour un véhicule aussi petit, et à la nécessité pour l'équipage de sortir du véhicule afin de recharger les canons, les exposant au feu ennemi. Bien que l'armée ait annulé son ordre, le corps des Marines, désespéré de ne pas pouvoir obtenir ses anti-chars, en a commandé 297. La production a duré de 1955 à 1957. Le corps des Marines reçoit son premier véhicule le 31 octobre 1956. En 1960, une étude a été faite pour remplacer les canons de 106 mm par un nouveau design de 155 mm qui comprenait un type de chargement style revolver. Mais ce projet n'a pas été accepté. Une autre mise à niveau proposée consistait à remplacer le moteur GMC par un nouveau moteur V8. Cette mise à niveau a été implémentée à la variante et a été nommée M50A1.
Cependant, sur les 297 véhicules initialement acceptés par les Marines, seuls 176 ont été convertis entre 1963 et 1965. S'ils furent conçus comme des tank destroyers, la plupart des M50 n'engageront pas des chars ennemis lors de la guerre du Vietnam, bien que l'armée nord-vietnamienne ait déployé des chars de combat. Le Hontos a été par contre largement utilisé pour l'appui-feu direct de l'infanterie au combat, un rôle qui n'a jamais été souligné dans la doctrine d'emploi du char. Pourvu d'un bladage léger, de nombreux Hontos ont été déployés en défense statique des positions. Le M50 était apprécié de ses équipages et possédait des atouts tactiques. Ainsi, son faible poids et par conséquent sa pression au sol réduite l'autorisait à se mouvoir là où les chars classiques s'enlisaient. Durant la bataille de Hue, le colonel Stanley S. Hughes considéra le Hontos comme le plus efficace des appuis-feu. Sa mobilité le rendait moins vulnérable que les chars qui subirent de lourdes pertes alors que jusqu'à 460 mètres, les canons sans recul pouvaient frapper les retranchements ennemis ou abattre des murs. L'apparition d'un Hontos lors d'un combat a parfois été suffisante pour faire se retirer les champs de bataille des forces adverses. Son faible blindage, très vulnérable aux armes anti-chars lourdes, de type canon anti-char et missiles, n'était pas pénalisant lors de tirs en arrière des premières lignes, face à des troupes Viet Cong dotées au mieux de lance-roquettes à courte portée. Les unités de M50 furent déployées dans divers engagements tels que l'opération Starlight en 1965, Khe San en 1968, la bataille de Hue de 1968, l'opération Ford, la bataille de Phu Bai en 1968, la sécurisation de Da Nang et beaucoup d'autres. Ces unités furent démantelées en mai 1969. Par des véhicules rapatriés ont été mis à la ferraille, d'autres désarmés et revendus pour un usage civil ou conservés dans divers musées. Le Hontos a aussi été déployé pour son usage anti-char lors de l'intervention américaine dans la guerre civile dominicaine. Le 29 avril 1965, un M50 Hontos détruisit un vieux char léger Sternwagen L60 dans un autre engagement, un M50 détruisit un AMX-13.